Hervé Mariton est un libéral, mais c'est un libéral relativement classique. Son programme économique est basé sur deux piliers. Le premier, c'est l'allègement des charges fiscales, la simplification de l'impôt. Par rapport à ses concurrents, il a une originalité. Il est pour une flat tax, c'est-à-dire une taxe relativement constante payée par tous les citoyens, toutes les sociétés. Son deuxième pilier, c'est l'assouplissement du code du travail et la rénovation du dialogue social. Ces solutions ressemblent beaucoup à celles d'Alain Juppé, de François Fillon, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour ce qui est du numérique, il croit aussi que c'est une vague, mais il est plutôt sur la défensive et pense que l'État doit se préparer et non pas utiliser cette opportunité pour développer de nouveaux emplois. Ainsi, Hervé Mariton est un libéral classique. Il a une petite différence par rapport aux trois autres candidats dont nous avons déjà parlé, c'est qu'il est pour que l'État reprenne la main sur la gestion de tout ce qui relève de la solidarité nationale. Sur ce plan, il a une position plutôt régalienne que libérale. Et nous voilà face à ce tableau pour placer Hervé Mariton au niveau économique. C'est un libéral classique dont le programme se rapproche beaucoup de celui d'Alain Juppé, avec une originalité sur la flat tax. Malgré tout, il est pour que l'État reprenne ses responsabilités en ce qui concerne la solidarité nationale. Ainsi, nous le placerons plus au centre encore qu'Alain Juppé, au niveau de la sphère économique. Merci et à très bientôt.